Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier, nous te glorifions. Merci parce que chaque fois, Seigneur, tu bénis ton peuple. Nous demandons que tu ouvres nos yeux pour voir ce que tu as pour nous aujourd'hui au nom de Jésus. Toutes les bénédictions, nous demandons, Seigneur, accorde tes bénédictions à ton peuple en ce jour au nom de Jésus. Toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, tous les profits que tu nous donneras sur terre, nous prions, Seigneur, que personne ne rate ta main de transformation, même en ce jour, au nom de Jésus. Seigneur, parmi les enfants d'Israël, il était venu un moment où il n'y avait personne de faible dans toutes les tribus. Nous portons les yeux sur toi dans notre église, dans l'église des enfants, dans l'église des jeunes et dans tous les autres domaines. Seigneur, nous demandons que nous parvenions à un niveau. Et c'est même le moment où il n'y aura aucun faible parmi nous, aucune maladie parmi nous, aucune mort prématurée parmi nous, aucune calamité parmi nous, aucun désastre parmi nous. Père, nous demandons, accomplis-le au nom de Jésus. Dans tous nos états, dans nos régions, dans nos villes, dans nos villages, partout dans ce continent d'Afrique, Père, nous prions au-delà. Que Seigneur, ta bénédiction enrichisse chaque vie au nom de Jésus. Montre-nous la voie. Montre-nous la voie. Montre-nous la voie pour les bénédictions personnelles, la voie pour les bénédictions perpétuelles, la voie pour les bénédictions permanentes dans chaque vie au nom de Jésus. Seigneur, chacun aujourd'hui, chacun en ce jour, une touche de miracle pour chacun au nom de Jésus. Seigneur, nous l'acceptons. Seigneur, nous le recevons. Seigneur, nous savons que ce sera ainsi dans chaque vie au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Vous savez, parfois, certains acclament, certains regardent, Mais qu'est-ce qui se passe? Merveilleux. J'ai dit merveilleux. Les anges porteront vos acclamations au ciel au nom de Jésus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Nous parlons de quelque chose d'énorme, quelque chose d'important, de spécial ce jour. Voyez plusieurs. Ils connaissent la guérison, mais ils ne connaissent pas la santé. Ils connaissent, oui, être malade, se lever, être bien, tomber malade et être guéri encore. Mais Dieu peut te garder en bonne santé pour toute une journée. Il peut te garder en bonne santé pour toute une semaine. Il peut te garder en bonne santé pendant tout un mois. Et maintenant, si pendant toute une année, jusqu'à la fin de cette année, plus de maladies touchant ton corps, plus d'infirmités qui touchent ton corps, il te garde seulement en bonne santé fort. Bien portant, il le fera. Voilà pourquoi nous parlons ce matin du message « Une guérison divine de toute une vie ». Une guérison divine de toute une vie. Ce que Dieu fait aujourd'hui, il continue de le faire demain. Il continue à le faire encore le lendemain. Ainsi de suite. Dans ta vie, pourquoi pas? C'est pourquoi nous considérons, c'est ce que nous avons entendu parler du peuple de Dieu au temps biblique. Montrez-moi le moment, montrez-moi le passage où Noé était malade. Montrez-moi le moment et montrez-moi le chapitre, le verset où Abraham a été, même à 100 ans, où il courait. Vous allez courir au nom de Jésus. Parlez-moi de Moïse, parlez-moi de Josué, parlez-moi de tous ces hommes de Dieu et femmes de Dieu. Ils étaient en bonne santé. Nous serons en bonne santé au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Si tu es en bonne santé déjà, gloire à Dieu. Mais Dieu veut remettre la clé entre tes mains. Et cette clé, par la grâce de Dieu, va te garder fort sur tes pieds tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Ensuite, bien sûr, si tu es malade, il y a une bonne nouvelle pour toi. La puissance de Dieu est là, suffisante, pour ôter toutes les maladies de ton corps, même en ce jour, au nom de Jésus.
Parce que comme nous écoutons la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et cette parole vient en nous, bâtit la foi, et cette foi va chasser toute maladie et toute infirmité, toute déformation, va chasser tout de ton corps, de ta vie au nom de Jésus. Ensuite, bien sûr, tous ces puissants de ténèbres qui n'auront plus d'emprise sur ta vie. Vous savez, quand tu... Si tu es avec Jésus-Christ, Satan et les mauvais esprits, où sont-ils? J'ai dit, où sont-ils maintenant? Ils sont sous tes pieds et tu vas marcher sur eux, tu vas les fouler aux pieds. Ils ne seront pas sur ta tête, dans tes yeux, dans tes oreilles, dans ta gorge, dans tes poumons, dans ton foie, dans ton cœur, dans ton corps. Ils seront sous tes pieds au nom de Jésus. Et je transfère ces démons loin de ta santé. Je les affecte de ta poitrine. Je les affecte de ton corps. Je les affecte maintenant sous la terre, sous tes pieds. Et tu vas les vaincre au nom de Jésus. Le Seigneur est si merveilleux. Voyez les provisions qu'il a faites à tous ses enfants. Il dit, voici ce que je vous ai donné. Et dit, je verserai une nouvelle chose. Ne le sauras-tu pas? Je le saurai ce matin. J'ai dit, moi, je le saurai ce matin. Voyons Exode au chapitre 23, verset 20. Exode chapitre 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi. Ne me comprenez pas mal, c'est l'ange. Et ceux qui ont étudié la christologie, et ceux qui ont étudié comment Christ est venu avant la période du Nouveau Testament. Je l'enverrai devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, il dit, si nous pouvons obéir à la voix du Seigneur qui nous guide, qui nous garde, qui nous protège, qui nous dirige, qui nous guide, qui nous contrôle, le Seigneur qui nous instruit, qui nous montre la voie, le chemin à suivre. Il dit, si tu écoutes sa voix véritablement, de tout ton cœur, de façon transparente, si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Donne-moi un bon amen. Dieu Tout-Puissant dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. J'ai pitié de tes ennemis. S'ils ne changent pas, s'ils pensent qu'ils vont te faire du mal, ils se feront du mal. Parce que le Dieu Tout-Puissant a dit, je serai l'ennemi de tes ennemis, et il dit, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Éthiens, les Phériziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, devant leur idole, et tu ne les serviras point, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statue. Il nous dit donc que nous ne devons pas adorer les idoles du village, les idoles de la mer, les idoles de l'océan, les idoles de la communauté, les idoles de la tribu, les idoles de tes parents, les idoles de la famille. Il dit, nous devons les détruire. Nous allons les détruire. J'ai dit, nous allons les détruire. Vous savez, il y a certaines personnes qui vivent dans la ville et qui accrochent encore ces choses au cou. Et ils ont toutes ces choses-là encore à la hanche. Ils amènent toutes les idoles du village, les symboles, les types, les représentations physiques de leurs idoles du village. Ils ont ça à leurs doigts, ils ont ça à leur cou, ils ont dans les oreilles, ils ont ça partout. Vous devez les jeter au nom de Jésus. Maintenant, voyez le verset 25. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai, et j'éloignerai, je n'entends pas, et j'éloignerai
la maladie du milieu de toi. Regarde-toi, du milieu de toi, dans ton corps, Dieu va ôter la maladie. Maintenant, la vie de tes enfants, Dieu va ôter la maladie. De ton épouse, Dieu va ôter la maladie. De ton mari, Dieu va éloigner la maladie. De toute la famille, il dit, du milieu de toi, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Le nombre de tes jours, j'accomplirai. Je remplirai le nombre de tes jours. Je vivrai longtemps. Je dis, je vivrai longtemps. La maladie ne va pas écouter ma vie. La maladie ne va pas écouter ma vie. Les infirmités ne vont pas écouter ma vie. Dis-le pour toi, non? Ne vont pas écouter ma vie. Toutes ces catastrophes ne vont pas écouter ma vie. Comme Abraham, comme Moïse, comme Josué et comme Joseph, comme tous ces grands hommes de Dieu, tu vas vivre longtemps au nom de Jésus. Laissez-moi vous montrer un exemple, Deutéronome 34. En Deutéronome 34, lisons le verset 7. Deutéronome chapitre 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Avant de continuer, vous savez, Moïse avait déjà 40 ans et il a essayé de faire quelque chose. Il a mal fait. Et parce qu'il a mal fait, il a dû fuir. Finalement, il menait sa vie maintenant comme un homme oublié derrière le désert. Et 40 ans se sont écoulés. Maintenant, il y avait 80 ans d'écoulés. Si, par exemple, disons que tu as 60 ans maintenant et que je me promène, je dis, frère, est-ce que tu es ouvrier? Oh, pasteur, j'ai déjà 60 ans. Il n'y a plus de raison d'être ouvrier. Je ne peux plus être ouvrier. Qu'est-ce que je peux faire à 60 ans encore? Moïse avait 80 ans. Et maintenant, si tu as 70 ans, 75 ans, je me promène. J'ai dit, est-ce que tu vas travailler pour Dieu? Oh, pasteur, si je l'avais compris plus tôt, ce serait mieux. Parce que le temps est déjà passé. J'ai 75 ans déjà. Et Dieu dit, à 80 ans, la main de Dieu viendra sur ta vie. Il dit, la main de Dieu viendra sur ta vie. Alors, une fois que tu peux manger, tu peux respirer, tu peux rester debout, tu peux parler, et que tu peux bouger, la puissance de Dieu est encore là. À 80 ans, Dieu a appelé Moïse. Il a dit, lève-toi maintenant, je vais t'envoyer en Égypte. Tu vas délivrer les enfants d'Israël. Ce ministère te parviendra maintenant même. Quel que soit ton âge, tu n'es pas trop vieux déjà. Le Seigneur dit, l'heure a sonné. Où chacun, jeune, vieux, homme et femme, nous allons nous lever par la puissance du Seigneur. Et la puissance du Dieu va te donner l'énergie, te remplit de force. Et tu feras quelque chose pour la gloire, le royaume de Dieu dans cette génération au nom de Jésus. Moïse était âgé de 120 ans. Sa vue n'était point affaiblie. Pensez à cela, premièrement. Ses yeux spirituels n'étaient point affaiblis. À 120 ans, Dieu lui parlait toujours. Il voyait toujours de loin ce qui allait se passer aux enfants d'Israël dans l'avenir. Et parce que ses yeux spirituels n'étaient pas affaiblis, cela affectait ses yeux physiques également. À cause de cela donc, ses yeux physiques n'étaient point affaiblis. Et il continue en disant, et sa vigueur et sa force naturelle n'était point passé, parce que sa foi spirituelle n'était point passée, n'était pas diminuée, n'était pas affaiblie. Ainsi donc, sa foi spirituelle n'avait pas diminué, même sa force naturelle n'avait pas passé. Et je dis, tel tes jours, ainsi sera ta force au nom de Jésus. Deutéronome 33, verset 25. Sortez votre bic parce que vous devez souligner ça. Vous devez souligner ceci. Chaque fois que vous ouvrez votre Bible, vous devez voir les parties que vous avez soulignées pour dire, oh, gloire à Dieu, ça c'est pour moi. Gloire à Dieu, ça c'est pour moi. Et il en sera ainsi pour toi au nom de Jésus. Verset 25 de Deutéronome 33. Que tes verrous soient de fer et d'airain. Que tes verrous soient de fer et d'airain. Pourquoi? Beaucoup lisent cela, mais ils ne comprennent pas. Parce que les serpents sont sous tes pieds. Parce que les démons sont sous tes pieds. Parce que Satan est sous tes pieds. Et pendant que tu marches, tu ne marches pas
seulement à pieds nus, mais il dit que tes vers ou tes pieds pour les piétiner, pour les détruire, sera donc de fer et des reins. Et voilà, ça c'est pour moi. J'ai dit ça c'est pour moi. J'ai dit ça c'est pour moi. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Est-ce que tu es là? Tant autant tes jours sera ainsi ta vigueur. Est-ce que tu es là? Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Tu n'avais pas des arthrites quand tu étais jeune, tu ne les auras pas aujourd'hui. Tu n'avais pas de cancer quand tu étais jeune, tu n'auras pas ça aujourd'hui. Tu n'avais pas de faiblesse quand tu étais jeune, tu n'auras pas maintenant. Tu n'avais pas les yeux affaiblis, les yeux aveugles quand tu étais jeune, tu n'auras pas ça aujourd'hui. Tu n'avais pas de problème de cerveau quand tu étais jeune, tu n'auras pas maintenant. Tu n'avais pas de problème de foi quand tu étais jeune, tu n'auras pas ça maintenant. Tu n'avais pas de problème, les problèmes de colonne vertébrale quand tu étais jeune, tu n'auras pas ça maintenant. Et tu n'avais pas, être couché tout le temps, c'est douleur pendant que tu es jeune. Il dit, autant tes jours, ta vie va s'améliorer, ta vie va se fortifier davantage. Tu seras de plus en plus en bonne santé et tu vas bouger. Tu auras de peu à beaucoup et à multitude d'abondance au nom de Jésus. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël, verset 26, il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté. Porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays que de blé et de mou. Et son ciel distille la rosée. Cela va arriver à chacun au nom de Jésus. Voyez le Nouveau Testament maintenant. 3 Jean, c'est un seul chapitre, 3 Jean verset 2. Voyez ce qu'il nous dit ici. Ce qu'il souhaite pour nous. Ce qu'il désire pour nous. Ce qu'il a promis pour nous. Ce qu'il nous accorde. En 3 Jean, verset 2, bien-aimé, est-ce qu'il y a de bien-aimé dans la maison ce matin? Bien-aimé, ça c'est ce que je suis, bien-aimé, c'est ce que tu es. Si tu es né de nouveau, si tu es enfant de Dieu, il dit bien-aimé, je t'aime, tu es bien-aimé. Alors il t'a aimé d'un amour éternel et cet amour va agir puissamment dans ta vie au nom de Jésus. Il dit bien-aimé, je souhaite, pensez à cela, je souhaite, vous voyez. Ce que tu es, le grec dit, le mot souhaite, je prie, je demande, je proclame, je demande pour toi, je prie au-delà de tout. Je souhaite que tu prospères à tous égards premièrement et sois en bonne santé deuxièmement, comme prospère l'état de ton âme. Troisièmement, ces triple bénédictions de ce verset seront pour toi au nom de Jésus. Alors il dit, je souhaite, je prie, je désire et je supplie Dieu à tous égards que tu prospères. Que tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme. La proportion, le niveau de ta prospérité spirituelle va déterminer comment tu es prospère dans le naturel et comment tu es en bonne santé dans ton corps. Parce que les deux vont de pair et ils sont reliés. Alors on nous fait donc comprendre, je prie, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors, nous considérons ce message une guérison divine de toute une vie. Premier point, la condition d'une guérison divine de toute une vie. La condition d'une guérison divine de toute une vie. Deuxième point, son engagement à notre guérison et santé divine durable. Il s'engage. Son engagement à notre guérison et santé divine. La confirmation de la longévité et de la bonne santé désirable. La confirmation de la longévité et de la bonne santé désirable. Alors il dit, comme j'ai été fidèle envers eux, je serai aussi fidèle envers vous. Et je vais apporter la confirmation de votre vie. La confirmation de la longévité et de la bonne santé désirable. Je prie. Le premier point que tu possèdes. Deuxième point, tu vas le posséder. Et le troisième point, tu vas le posséder au nom de Jésus. Revenons au premier point. Dites-moi le premier point.
Dites-le à haute voix. La condition d'une guérison divine de toute une vie. Exode au chapitre 15. En Exode 15, quelqu'un dit, je connais ce verset, je l'ai lu avant. Je ne vais pas me déranger pour ouvrir ma Bible. Je vais seulement regarder. Alors, tu as bu l'eau hier. Quand tu envoies l'eau aujourd'hui, est-ce que tu vas dire que tu ne vas pas prendre? Tu as vu la lumière, le soleil hier. Maintenant, j'ai vu le soleil hier. Ah, je ne vais pas regarder le soleil aujourd'hui. Nous allons encore te donner du pain. Non, j'ai mangé le pain hier. Je n'ai plus besoin du pain aujourd'hui. Bien sûr, tu en as besoin aujourd'hui. Tu le savais avant. Et la nouveauté de ce verset, la vraie force de ce verset et la puissance dans ce verset te parviendra encore aujourd'hui au nom de Jésus. Exode chapitre 15, lisons le verset 26. Je veux que tu notes un mot là. Si, S-I. Si tu. La condition. Beaucoup vivre en désordre. Ils mettent une vie désordonnée, une vie frivole. Dieu est merveilleux. Et Dieu est fidèle. Oui, il est fidèle. Il est fidèle selon ses conditions. Il dit, il y a une condition. Si nous voulons avoir une vie tout entière de guérison divine, il y a une condition. C'est pourquoi il dit, si tu écoutes attentivement, vous voyez ce mot avant, écoute. Si tu écoutes attentivement, il y a attentivement. Il y a des gens, quand vous leur parlez, ils te regardent, mais ils n'entendent pas tout ce que tu dis. Leur esprit est en train de divaguer. Ils n'écoutent pas attentivement. Pour d'autres personnes, ils écoutent les choses superficielles que nous disons. Ils ne connaissent pas la profondeur, la longueur, la largeur et la circonférence et le territoire de tout ce qu'on dit. Ils ne connaissent pas les conséquences de ce que nous disons. Ils écoutent superficiellement seulement. Pour d'autres, ils écoutent avec une partie de leur esprit et l'autre partie de l'esprit pense à autre chose. Mais il dit, si tu écoute attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu. Cela veut dire, tu écoutes sa voix seule. L'étranger va parler, tu bloques cela ici. Satan va parler, tu vas bloquer cela. La société va parler, tu vas bloquer cela. Les gens ignorants vont parler, tu vas bloquer cela. Les incroyants vont parler, tu vas bloquer cela. Même toi-même, ta pensée naturelle va parler, tu vas bloquer cela. Et tu ouvres tes oreilles seulement à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et c'est ce qu'il dit ici. Si tu, quel que soit ce que les autres font, quel que soit ce que les autres pensent, quelle que soit l'attitude des autres personnes, si toi en particulier, tu dis oui, j'ai pris la décision, voici ce que je vais faire. Je vais écouter la parole, je vais écouter attentivement la parole. Si toi, malgré tout ce que les autres disent, malgré tout ce que les autres pensent, si toi tu peux écouter attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux. C'est très simple, vivre un jour par moment, vivre une heure par moment, il faut encore diviser ça, vivre une minute par moment. Ouais, 7 minutes, je peux obéir au Seigneur, une minute seulement, et 5 minutes après, je peux obéir au Seigneur, et 30 minutes après, je peux encore obéir au Seigneur, une heure encore, je peux obéir au Seigneur, un moment, moment par moment, heure par heure, jour par jour. Et cela va se transformer en moi. Les semaines vont se transformer en moi. Les mois vont se transformer en années. Alors il dit, si par jour, un jour par moment, si moment par moment, tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et maintenant, si tu fais ce qui est droit à ses commandements, droit à ce qui est à ses yeux, si tu prends l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel. Dites-moi la suite, car je suis l'Éternel. Dites-moi la suite. Qui te guérit? Je suis l'Éternel. Qui te guérit? Dieu, merci Seigneur. Aidez, je suis ton docteur personnel. Je suis ton docteur personnel. Je suis ton libérateur personnel. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et tu mets ta main dans la main de Dieu. Tu mets ton corps, tu remets ton corps entre les mains du Seigneur. Tu remets ta santé entre les mains du Seigneur. Tu remets ton avenir entre les mains du Seigneur. Je suis. Il ne va jamais faillir. Il ne va pas devenir autre chose. Il n'est pas comme un monde.
qui ne peut plus rien faire. Il ne sera pas, il ne sera pas le Dieu de l'avenir qui fera quelque chose dans l'avenir. Non, je ne peux rien faire aujourd'hui, non. Il dit, je suis l'Éternel. Et ce matin, il est l'Éternel. J'ai dit, ce matin, il est l'Éternel. Et il ôtera toute maladie loin de nous au nom de Jésus. Toute maladie dont tu as entendu parler en Égypte, tu n'auras pas peur. Parce que ça, c'est pour l'Égypte. Ça, c'est pas pour moi. Le cancer d'Égypte n'est pas pour moi. La tuberculose d'Égypte n'est pas pour moi. Le VIH-Sida de l'Égypte n'est pas pour moi. L'aveuglement d'Égypte ne sera pas pour moi. Le glaucome de l'Égypte ne sera pas pour moi. Le cataracte de l'Égypte ne sera pas pour moi. Les diabètes de l'Égypte ne seront pas pour moi. Je ne sais pas, c'est ce qui vient du ciel qui sera pour moi. Est-ce que tu as entendu parler du cancer céleste? Est-ce que tu as entendu parler de tuberculose céleste? Est-ce que tu as entendu parler de rhumatisme du ciel? C'est ce qui vient du ciel qui sera pour moi. Parce que toutes les choses qui viennent d'Égypte, je les rejette, je les résiste, je ne les aurai pas au nom de Jésus. De la tête jusqu'aux pieds, les bénédictions célestes, la guérison céleste, la transformation céleste va redonner de la vigueur à ton corps au nom de Jésus. Maintenant, en Deutéronome chapitre 7, voyons les conditions, la condition d'une guérison divine de toute une vie. Deutéronome chapitre 7, verset 12. Deutéronome chapitre 7, verset 12. Toutes ces choses d'Égypte sont parties pour toujours. J'ai dit, elles sont parties pour toujours. Voyons Deutéronome chapitre 7, verset 12. Si vous écoutez, voyez encore la condition. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Qu'il a juré à tes pères. Vous savez, c'est une chose que Dieu a dite, que Jésus n'a pas besoin de jurer, il a dit, et il va l'accomplir. Mais pour que vous ayez une double assurance, pour que vous ayez une triple assurance, et pour que vous ayez un type d'assurance multipliée, et pour que vous ayez une assurance inchangeable, inébranlable, il a fait la promesse, il dit, écoutez, j'ai fait plusieurs promesses, je n'ai pas pu jurer, parce que tout ce que je dis, je vais le faire. Et vous pouvez être sûr de cela, même si je ne jure pas. Mais pour que vous soyez très sûr, au-delà de toute ombre de doute, ce que Satan ne peut même pas révoquer cela, que l'homme ne peut pas révoquer cela, que les ennemis ne peuvent pas révoquer cela, que les puissances qui sont ne peuvent pas révoquer cela, il met un serment dessus. Qu'est-ce qu'il a dit? Voyez le verset 15. L'Éternel ôtera de toi combien de maladies? Toute maladie. Et ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Je veux un bon d'amen là-bas. Dieu dit, toutes ces choses que tu lis d'Égypte, en Babylone, qui est venu sur Nebuchadnezzar, ça c'est pour Babylone, ça ne viendra pas sur toi. Ce qui est arrivé sur Pharaon ne viendra pas sur toi au nom de Jésus. Ce qui est arrivé sur tout, eux tous, parce que Dieu dit, si c'est ce que tu fais, alors si tu es obéissant à la parole du Seigneur, Dieu dit, tu es libéré de toutes ces maladies d'Égypte et tu es libéré aujourd'hui, demain, tu es libéré cette semaine, la semaine prochaine, ce mois prochain et tu es libéré cette année et tu en seras libéré cette année pour le reste de ta vie au nom de Jésus. Voyons Job au chapitre 11, Job 11, le verset 13, Job 11, 13, Job 11, 13, il dit, pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étant vers lui tes mains, étant tes mains vers lui, éloigne de toi l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Aucune crainte pour ta vie au nom de Jésus.
tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus quoi, plus d'éclat que le soleil à son midi. Ça, c'est la santé divine là. Tes jours auront plus d'éclat. Qu'est-ce que ça veut dire plus d'éclat? Plus d'éclat que le soleil à son midi. Parfois, quand certaines personnes, quand vous avez une maladie donnée, et elle est interne, elle est là, vous allez vers le docteur dit, oh, nous avons besoin de faire une radio. Quand on va faire la radio, on verra ce qu'il y a là-bas. Et on saura là où ça se trouve. Et quelqu'un va dans cette cave, dans ce cube-là, et on examine tout, et on dit, ah, d'accord, attends là-bas. Et ils vont te sortir la radio. Et quand on t'amène la chose, on t'appelle pour dire, oh, tel, on les appelle, ce n'est plus toi. Hein? J'ai dit, ce n'est plus toi, on va appeler. Et on l'appelle pour dire, regarde ceci. Oh, tu vois la tache blanche là, tu vois la tache noire là. Et le docteur peut-être prendre un marqueur, encercler ça. Et il va doiter la chose, doiter ceci. Mais Dieu dit, après cette session matinale, ta radio aura plus d'éclat que le soleil. Ton cerveau aura plus d'éclat que le soleil à son midi. Ta structure aux choses aura plus d'éclat. Quand on va regarder la radio, on va dire, ah, je n'ai jamais vu une personne en bonne santé comme toi depuis que j'examine les gens. C'est toi la personne que je vois. Et je fais la radio de la tête, dans les oreilles, la bouche, la gorge, la poitrine, le ventre, les pieds, la hanche, les genoux, partout. Et partout, c'est à plus d'éclat que le soleil. Il en sera ainsi. Et c'est pour toi au nom de Jésus. Et tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Telles ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Et ça va t'arriver au nom de Jésus. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit, la condition est là, la condition est là. Voyons Jean chapitre 5, verset 5. En Jean chapitre 5, lisons le verset 5. On dit là, verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? La même question te parvient ce jour. Veux-tu être guéri? Réponds non. Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi. Jésus te dit maintenant même, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Immédiatement, cet homme fut guéri. Il a été guéri. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. C'est là qu'il va se trouver. Après être délivré, après être béni, après que ta prière a été exaucée, c'est là où il faut te trouver. Jésus le trouva dans le temple et il lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça, c'est la condition. Tous les péchés de ta vie du passé, tu te débarrasses et tu es sauvé. Tu es délivré et tu es sauvé. Maintenant, tu abandonnes toutes ces choses et tu ne retourneras plus dans ces choses. Et Jésus a dit, la condition pour avoir la guérison divine, pour maintenir, retenir cette guérison divine, pour demeurer dans cette guérison divine, c'est que tu dois aller et ne plus pécher. Tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et cet homme doit en train de trembler pour dire, ah, j'ai souffert 38 ans. Et maintenant, le Seigneur a dit que si je retourne dans le péché, quelque chose de pire que 38 ans de maladie, de souffrance va encore revenir.
Pour cela, donc, il a mené une vie de justice par la grâce de Dieu, par la force du Seigneur. Cette même force, cette même grâce est disponible pour toi. Et tu vas mener une vie de justice au nom de Jésus. Deuxième point maintenant, son engagement à notre santé divine et durable. Il s'est engagé pour cela, qu'il va nous garder en bonne santé, va te garder en bonne santé. J'ai dit, va te garder en bonne santé. Son engagement à notre santé divine et durable. Jérémie chapitre 33, il s'est engagé et cet engagement est vrai parce que c'est un Dieu fidèle. Et il apporte une confirmation à sa parole. Il apporte l'accomplissement à sa parole. Il nous dit en Jérémie chapitre 33, lisons à partir du verset 6. Jérémie 33, lisons à partir du verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je lui donnerai la guérison et la santé. Je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Aidez. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je lui ouvrirai une source abondante. Verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Verset 9. Verset 9. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. La promesse de la santé est là et je prie que tu l'aies au nom de Jésus. Mais vous savez, Jérémie se demandait, il s'est demandé. Le Seigneur nous a promis la santé. Il a regardé les enfants d'Israël, les gens de Juda, et il a vu leurs conditions. Certains étaient faibles, certains étaient affaiblis, certains étaient malades, certains étaient maladifs, certains étaient infirmes, certains étaient impotents. Il a dit, mais pourquoi? Regardez ce que Dieu a promis. Voyons Jérémie, voyez son étonnement. Jérémie 8, voyez sa surprise. Jérémie chapitre 8, vous voyez son étonnement. Il était surpris. Il a dit dans le chapitre 8, le verset 21, verset 22. Je vais revenir au verset 21 après. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Cela l'a surpris. Il dit, regardez ce que Dieu a promis. Et il est le grand médecin, il est le grand guérisseur, et c'est un médecin fidèle, un guérisseur fidèle. Voici ce qu'il a promis faire. Et comme il les a vus faibles, il les a vus malades, maladifs, endurant des douleurs, supportant ceci ou cela. Alors, ils étaient aussi malades que les Égyptiens, ils étaient aussi malades que les Babyloniens. Et cela l'a surpris. Où est la différence? C'est pourquoi il a dit, maintenant revenons au verset 21. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison? Pourquoi donc? Quand vous regardez l'église, et Christ est le chef de l'église, et qu'il a parcouru Capernaum, toutes ces villes, il est allé dans tous ces villages et il a guéri tout le monde. Il les a tous guéris. Il n'était même pas son église parce qu'il venait de dehors. Oui, c'est dit, les lépreux sont venus, ils ont crié au fils de David, tu peux nous guérir. Il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils allaient, ils étaient tous guéris. Maintenant, cet homme est venu et il s'est agenouillé pour l'adorer. Oh, si tu veux, tu peux me purifier. Il a purifié. Maintenant, l'homme est venu. Oh, hey, fils, pitié de moi, fils de David. Il a ouvert ses yeux aveugles. Quelqu'un d'autre aussi, dans la synagogue, ayant une main desséchée, a étendu la main. Il a étendu la main et sa main a été guérie. Maintenant, un homme qui était né aveugle, il a fait la boue. Il a dit, va te laver dans Siloé et tu seras guéri. Il est allé, il est revenu voyant. Et maintenant, il a vu.
Cette femme qui était courbée à cause de cet esprit d'infirmité depuis 18 ans, il l'a touchée pour dire, femme, tu es guérie. Et elle a été libérée de l'infirmité. Maintenant, quand il a fait tout cela pour toutes ces personnes au dehors, pensez maintenant à l'église du Dieu vivant et l'église de Jésus-Christ où il est la pierre angulaire, où est la fondation, où il est le chef, où il est le guérisseur, il est le sauveur, il est tout en tout pour nous. Et maintenant, plusieurs sont malades, plusieurs sont infirmes, plusieurs sont faibles. Et le Seigneur dit, est-ce qu'il n'y a pas de baume en Galade? Est-ce qu'il n'y a pas de médecin là-bas? Et notre grand médecin, et le chant que nous chantons, Jésus seul, Jésus toujours, il est notre sauveur, il est notre guérisseur. C'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous bâtit du Saint-Esprit, c'est le roi qui vient, s'il est toujours le guérisseur. Pourquoi plusieurs sont malades? Ça, c'est l'étonnement de Jérémie. Et il dit, n'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de puissance dans l'église Dieu vivant aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas de guérison dans l'église Dieu vivant? Et il n'y a pas de médecin donc. Et notre grand médecin, il dit, pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Jésus va me donner la raison maintenant. Voyons chapitre 17 de Jérémie et verset 5, la raison. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ça, c'est le problème. Nous ne faisons plus confiance en Christ, notre sauveur. Nous n'avons plus de confiance en Christ, notre guérisseur. Nous n'avons plus de confiance en Christ, notre sanctificateur. Nous nous confions à l'homme. Nous confions à telle personne. Nous confions à la montagne. Nous nous confions à la vallée. Nous nous confions au feu. Nous nous confions à ceci. Nous nous confions à cela. Nous nous confions à telle prophétesse. Nous confions à tel prophète, nous confions à tel ministère, nous confions à telle communion, nous confions à tel endroit. Nous confions. Il dit, c'est pourquoi notre médecin est là, le grand médecin est là, et le Seigneur est là, le chef de l'église est là, et celui qui a dit, regardez-moi, et je vous exaucerai, il est là, mais on ne l'invoque pas. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons, et s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne le fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Nous ne lui faisons plus confiance. Il allait partout faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Nous ne lui faisons plus confiance. Il dit, invoquez-moi, et je vous exaucerai. Je vous montrerai les choses, les grandes choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. Mais nous ne lui faisons pas confiance. Il a dit, je vais apporter la santé, la bonne santé et la guérison. Je vais tout restaurer, tout ce que vous avez perdu, je vais les donner. Mais nous ne lui faisons plus confiance. Ça, c'est la raison pour laquelle. Et maintenant, et cela a surpris Jérémie. Il dit, pourquoi la santé de mon peuple, du peuple de Dieu, tarde-t-elle? Nous allons tout changer maintenant. J'ai dit, nous allons tout renverser maintenant. Au lieu de nous confier aux hommes, au lieu de confier aux bras de chair, à la montagne, à la vallée, quelque soit la chose, nous allons maintenant faire confiance à l'Éternel. Il dit, ainsi parle l'Éternel, Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Qui détourne son cœur de l'Éternel. Un changement aura lieu. C'est un changement aura lieu. Ce changement va venir dans ta vie maintenant, même ce jour, au nom de Jésus. Proverbe, chapitre 3, Proverbe 3, versets 7 et 8. Proverbe, chapitre 3, lisons le verset 7 et 8. Ce ne sera Proverbe 3, verset 7, 8 secondes. Ne sois point sage à tes propres yeux, crée l'Éternel et détourne-toi du mal. Comment allons-nous avoir la santé et la guérison? Tu seras en bonne santé le matin, bonne santé dans l'après-midi, en bonne santé dans la nuit, en bonne santé dans le jour, dans la journée, en bonne santé tous les jours, en bonne santé dans la semaine, en bonne santé le matin, en bonne santé tous les jours de nos vies. Et dit, ne sois plus sage à tes propres yeux, verset 7, que ta sagesse soit Christ, qu'il soit celui qui te dirige et qui te contrôle et qui te guide. Aidez, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, chapitre 4, et un rafraîchissement pour tes os, chapitre 4, Proverbe, verset 20. Mon fils, Proverbe 4, verset 20, mon fils, il nous dit comment cette guérison divine, continuelle, perpétuelle, cette santé permanente, cette année, cette santé de toute une année sera pour toi, et sera pour toi au nom de Jésus.
Voyez cela, chapitre 4, verset 20 de Proverbe. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps, c'est la santé pour tout leur corps. Quand tu es saturé, tu satures ta pensée, ton cœur, ton âme, ton esprit, tes yeux par la parole de Dieu et tu ne permets pas cela de s'éloigner de toi. Quand la parole de Dieu, les promesses de Dieu, la parole de Dieu, la propagation de la parole de Dieu, la prophétie de sa parole, quand tu déclares cela et quand tu comprends cela et quand tu contemples cela, quand tu examines cela à tout moment, tu ne regardes pas ta maladie, tu ne regardes pas tes symptômes, tu ne regardes pas tes douleurs, tu ne regardes pas ce qui se passe autour de toi. Quel que soit ce qui se passe dans ton corps, c'est la parole. Dis, c'est la parole, c'est la parole. Et tu ne vas pas permettre aux promesses de Dieu de te laisser, de quitter. Qu'il ne s'éloigne point de ton cœur. Même que ce verset des cette seule promesse, tu dois la lire à plusieurs reprises. Tu dois la lire. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Quand tu dois ouvrir ta Bible encore, que ces promesses que tu as marquées, tu dois les lire et les relire et les relire. Qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. Et quand il semble que la douleur, oh, la douleur encore là, tu dois ouvrir encore la parole, tu la lis et tu vois. Et maintenant, tu revois cela encore et tu analyses ça pour dire ça, c'est pour moi. Ça, il est mon médecin, il est mon guérisseur, il passe à maître. Si je suis guéri et tu regardes cela encore, qui ne s'éloigne point de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Ne permets pas la maladie d'affecter tes pensées. Ne permets pas l'infimité. Ce qui doit affecter tes pensées, c'est la parole de Dieu. C'est les promesses de Dieu. Voici ce qu'il a dit. Même, il a même juré. Et il a même confirmé par un vœu, un serment. Et ce sera ainsi. Je t'assure. Et aucune maladie ne pourra te retenir. J'ai dit, aucune maladie ne pourra encore te retenir. Parce qu'il dit. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. La santé pour tout le corps. La santé pour tout le corps. Je l'aurai au nom de Jésus. Je dis, je l'aurai au nom de Jésus. Est-ce que vous savez, il y a certaines personnes, au lieu de regarder la parole de Dieu, au lieu de contempler les promesses de Dieu, oh, je sais ce qu'il va faire. Ils vont jeûner. Ils jeûnent, mais ils ne lisent pas la Bible. Ils jeûnent, mais ils ne regardent pas les promesses de Dieu. Ils jeûnent, mais ils ne permettent pas la parole de Dieu, les promesses de Dieu, la puissance dans cette parole, de venir dans leur vie et de les transformer leur vie complètement. Ils jeûnent seulement. Et maintenant, comme ils jeûnent, ils maigrissent davantage. On dit, oh frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, je vais combattre cette chose-là. Hein. Je veux jeûner jusqu'à ce que je sois guéri. Quelle promesse comptes-tu? Je ne connais pas de promesse. Ce que je fais, c'est que je jeûne. Je vais jeûner jusqu'à ce que les choses là quittent mon corps. Quel passage biblique regardes-tu? Et tu sais que par ces maîtres-ci, tu es guéri. C'est où dans la Bible? Et il allait du bien dans le lieu de lui, en le faisant du bien à tout le monde. Et tous ceux qui étaient sous l'emprise, c'est où dans la Bible? Et ils sont venus vers lui dans la soirée. Tous ceux qui étaient venus là ôter toute leur infirmité, c'est où dans la Bible? Et la prière de foi guérira le malade, sauvera le malade. Et s'il a commis des péchés, il le sera pardonné. Ça se trouve où dans la Bible? Il ne connaît aucun verset sur la guérison, sur la délivrance, sur la domination, sur l'autorité d'un enfant de Dieu. C'est seulement jeûner qu'il connaît. Non, ça ne marchera pas. Mais quand tu reviens à la parole de Dieu, cette parole va ôter toutes les maladies de ton corps au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 58. Ésaïe 58, verset 1er. Ésaïe 58, verset 1. Crie à plein gosier. C'est pourquoi je crie souvent. Il faut parler doucement, non? Et dit, ainsi parle Dieu. Ainsi la parole de Dieu a dit. Alors le Seigneur va accomplir. Est-ce que ça sonne comme une trompette? Dites-moi, non? Ce qui ressemble à une trompette. Quand j'élève ma voix, regarde ça, crie à plein gosier. Parfois, les gens disent, ils obéissent à une partie de la Bible, ils n'obéissent pas à l'autre partie de la Bible. Ils disent, je ne fais pas ça. Mais on t'a dit de le faire. Je t'ai dit de faire ça, non? Fais-le. Quand tu prêches, comment tu dois prêcher, crie à plein gosier. Que tout le monde crie à plein gosier.
crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, oui, tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner? Voyez cela, que nous sert de jeûner? Pensez à cela, que nous sert de jeûner? Si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Ils jeûnent, ils sont amers, ils jeûnent, ils sont en colère, ils jeûnent et ils ne pardonnent pas, ils jeûnent et ils ont la haine. Avec tous les jeûnes, la haine est encore là. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe ceux qui se sentent opprimés par des actions, qu'ils soient libérés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Si tu le fais bien, pas seulement le jeûne, pas seulement que je ne mange pas. Alors, ne sais-tu pas que j'ai jeûné 7 jours, 14 jours, 41 jours, 30 jours, 21 jours. Ce n'est pas ça. Et si tu fais la bonne chose, et tu impliques la compassion, la miséricorde, l'amour, l'obéissance à la parole de Dieu. Et ensuite, tu es généreux envers ceux qui sont dans le besoin et qui sont pauvres. Tu représentes Dieu qui est le pourvoyeur de tous leurs besoins. Et Dieu t'utilise pour pourvoir à leurs besoins. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ce jour, ta lumière va poindre. Et ta guérison, voyez cela, et ta guérison j'aimera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et ça va t'arriver au nom de Jésus. Troisième point maintenant, la confirmation de la longévité et de la bonne santé désirable. La confirmation de la longévité, toi que tout le monde dit bonne longévité et de la bonne santé désirable. Deutéronome chapitre 4. Est-ce que tu sais que Dieu a promis la longévité à tout enfant de Dieu, la longévité à chaque enfant de Dieu, et il dit, j'accomplirai le nombre de tes jours. Et il accomplira sa parole en ta faveur au nom de Jésus. Chapitre 4 de Deutéronome, verset 39. Deutéronome 4, 39. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur, l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi. Il dit, garde mes paroles, observe mes commandements, écoute ma parole, et applique ta vie à mes commandements, et tu seras heureux, toi et tes enfants après toi. Et que tu prolonges, prolonge désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors pour prolonger ta vie et mener une vie longue, avoir la longévité, voici le secret. Regarde ma parole, obéis à ma parole et la longévité sera à toi. Chapitre 6, verset 1 et 2. Chapitre 6 de Deutéronome 1 et 2. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique.
pas seulement les lire, mais les mettre en pratique, pas seulement les écouter, mais les mettre en pratique, pas seulement les apprécier, mais les mettre en pratique, pas seulement mémoriser, mais les mettre en pratique. Ce n'est pas seulement prêcher, mettre en pratique. Quand tu es pratiquant de la parole, quand ce n'est pas seulement que j'ai participé à toutes les retraites, j'ai participé à toutes les conférences, je suis allé à tous les congrès, j'ai écouté toutes les cliniques de la foi. Mais quand tu prends la parole de Dieu à cœur et quand tu dis « voici, je vais obéir à la parole », ce n'est pas seulement pour que tu apprécies, mais ce n'est pas seulement pour que tu apprennes, mais que tu prends tous les détails de la parole de Dieu, tout ce que j'ai entendu et je les applique à ma vie, ma famille familiale, ma vie professionnelle, ma vie spirituelle, ma vie quotidienne, ma vie personnelle et que j'applique la parole à ma vie. Aider. Quand tu le feras, aider, tu les mettras en pratique dans le pays où, dont vous allez prendre possession afin que tu crains l'Éternel ton Dieu. Verset 2. En observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui et afin que tes jours soient prolongés. Et nos jours seront prolongés au nom de Jésus. Chapitre 17, Deutéronome chapitre 17, verset 18. Chapitre 17 de Deutéronome, verset 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Voici Dieu parlait à quiconque deviendra roi en Israël. Vous voyez, en ce moment-là, il n'y avait pas de photocopieuse pour photocopier tous les pages des Écritures pour eux. Il n'y avait pas donc d'imprimerie pour leur imprimer la Bible, la parole de Dieu pour le roi ou pour qui que ce soit. Et il n'y avait non pas de machine de scannage ou de duplicatage pour pouvoir multiplier. Donc, ce n'était pas une excuse. Le roi devait prendre le bic entre ses mains. Il devait regarder la parole de Dieu et devait tout copier. Il ne devait même pas donner ça à un subordonné ou à quelqu'un. Fais-le pour moi ou copie ça pour moi. Il devait le copier, la parole lui-même. Vous voyez comment c'était sérieux. Et on dit verset 19, il devait l'avoir avec lui. Cette parole qu'il a copiée, cette parole qu'il s'est procurée, cette parole maintenant qu'il possède, on dit il devra l'avoir avec lui. Et il lire tous les jours de sa vie. Maintenant, il y a l'imprimerie aujourd'hui. Il y a les Bibles qui sont imprimées. Vous avez une copie de la Bible dans votre main. Est-ce que vous avez une copie de la Bible là-bas? Je sais, mais je veux voir, je veux vérifier. Est-ce que quelqu'un a sa Bible là-bas? Où est votre Bible? C'est pas les mains vides. Bible, est-ce que pour lever ça, je vais voir que tout le monde crie Bible. Alors si tout le monde peut lire cette chose que tu élèves là-bas là, et que tu la lis, et que tu la digères, et que tu la comprends, et que tu la médites, et que tu fais ce qui est écrit, longévité sera pour vous au nom de Jésus. Ce livre comprend le secret de la vie, le secret de la force, le secret de la puissance, le secret de la victoire, le secret de la victoire, le secret de la santé, le secret de la délivrance, le secret de la domination. Les gens laissent leur Bible à la maison et courent sur les montagnes quelque part, cherchent la délivrance. Ce que tu as laissé à la maison, la délivrance est dedans. Les gens laissent la Bible à la maison et courent sur la montagne quelque part et cherchent la domination. La chose que tu as laissée à la maison, la domination est dedans. Les gens laissent la Bible à la maison et courent pour la puissance quelque part. Ce que tu as laissé à la maison, la puissance est dedans. Les gens laissent cette chose, prends la chose, lis, étudie, apprends, obéis et vis-la, pratique-la. Et la puissance du Seigneur va agir de façon puissante dans ta vie au nom de Jésus. Tu dois te réveiller le matin, tu dois lire la Bible. Tu te réveilles le matin, tu dois apprendre de cette Bible. Que tu lèves le matin, tu dois souligner ces versets de la Bible qui te sont donnés. Tu te lèves le matin et tu dois emmagasiner, tu dois saturer ta pensée de la parole. Tu dis, je vais obéir à cela. Et quand tu vas au bureau, quand tu vas au marché, quand tu vas à la communauté, dans la journée, tout ce que tu as appris dans la journée, tu dois obéir à cela, tu dois obéir à cela, tu dois obéir à cela. Et c'est là le secret de la victoire dans notre vie. Et cette victoire sera dans chaque vie au nom de Jésus. Verset 19, chapitre 17 de Deutéronome, verset 19. Il devra l'avoir avec lui et il lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances
afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne pas de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume. Ça, c'est la raison pour laquelle, quand nous prenons cette parole, c'est ce qui va prolonger nos vies. C'est ça qui va prolonger nos vies. Les gens, ils ne comprennent pas. Et ils cherchent à gauche, à droite, comment ils vont prolonger leur vie. Maintenant, nous connaissons le secret. Et si tu gardes ce secret et tu t'attaches à ce secret, ta vie sera prolongée au nom de Jésus. Afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Voyons Proverbe 3, 1 et 2. Proverbe, chapitre 3, 1 et 2. Longévité, longévité. Quand tout le monde dit longévité, ça vient et ça viendra pour chacun au nom de Jésus. Proverbe chapitre 3, verset 1 et 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car Dieu parle à son fils. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Cette parole de Dieu que nous écoutons. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Proverbe 10, et ils augmenteront ta paix. Proverbe 10, verset 27. Proverbe 10, 27. 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Quand tu crains l'Éternel, quand tu le crains de façon révérentielle, tu l'obéis, tu le respectes, tu l'exaltes. Et tu obéis constamment à sa parole. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Je prie que cela ne t'arrive pas. Voyons chapitre 28, Proverbe 28, verset 16. Proverbe 28, verset 16. Proverbe 28, verset 16. Et dit, un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression. Mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge. Celui qui est ennemi de la cupidité va de pair avec le vol. Tu hais le vol, tu hais la tricherie, tu hais la fraude, tu hais toutes ces mauvaises pratiques, tu hais toutes ces affaires douteuses sur Internet. Celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Je prie que la longévité soit pour nous. Voyons Éphésiens chapitre 6. Prolongez tes jours, augmentez tes jours. Voici l'engagement de l'Éternel à prolonger nos jours et à une bonne santé désirable. Éphésiens chapitre 6, verset 1er. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Certaines personnes lisent cela et disent, d'accord, ça c'est pour les enfants. Ne sais-tu pas que quand Jean le bien-aimé a écrit, il a référé à tous les membres de l'école comme étant enfant. Et quand Jésus-Christ parlait à tous ses disciples, il se référait à eux comme mes enfants. Nous parlons donc de la maison de foi ici. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Vos parents selon le Seigneur, père dans le Seigneur, mère dans le Seigneur. Où nos ministres, nos pasteurs, nos dirigeants, nos responsables qui nous enseignent la parole de Dieu, où ils sont des enfants, nous sommes leurs enfants. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, ton père naturel et ta mère naturelle. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux. Vous savez, parfois, quand vous regardez la jeune génération dans leur établissement, dans leur collège, dans leur université, c'est comme au lieu que les anciens leur enseignent ou bien les mathématiques ou la chimie ou leur enseignent la biologie ou leur enseignent les sujets, ils se détournent de leur enseignement. Ils leur enseignent la rébellion. Ils leur enseignent comment dire non à leurs parents, comment dire non à leur mère, à leur père. Enseignant, professeur, ce n'est pas ce pourquoi tu es payé. Tu n'es pas payé pour montrer aux enfants comment se rebeller, comment mépriser. Tu es payé pour leur enseigner les matières
que tu dois enseigner. Mais il laisse les matières et il les enseigne. Ne suivez pas vos parents à l'église. Ne suivez pas vos mères à l'église. Sois une père, un garçon indépendant. Sois une fille indépendante. Réfléchis pour toi-même. Enseignant, ce n'est pas pourquoi on vous paye. Nous vous payons pour que vous enseigniez les matières régulières. Nous, les pasteurs, nous sommes là. Nous leur enseignons les comportements, le caractère. Nous leur enseignons l'honnêteté. Nous leur enseignons l'intégrité, la foi en Dieu. Nous leur enseignons la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Mais vous savez, à cause de ce type de situation, plusieurs enfants maintenant pensent, ah, tu es un garçon, tu es fort, tes mains sont fortes, tu peux dire non à papa, tu peux dire non à maman. Et même les membres de l'église aussi, ils pensent, oh, que nous sommes forts maintenant. Quand un membre de l'église peut regarder droit dans les yeux, parce qu'il peut dire, non, on ne va pas faire ça. Hey, ça, ce n'est pas la voie de la longévité. Regardez ces enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Où? Que tu vives longtemps où? Que tu vives longtemps où? Sur la terre. Cette longévité viendra pour nous au nom de Jésus. Maintenant, je vais lire Psaume 91. Psaume, je sais que vous le connaissez, mais ouvrez, ouvrez, ouvrez. Parce que ceci, c'est le secret de la longévité. Celui qui, Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre, qui te délivre du filet de la zoleur, de la peste et de ses ravages. Ah, je sais que tu l'entendais avant. Il n'y a plus d'amen maintenant. Il y avait amen l'année dernière. Il y avait l'année amen 10 ans. Quand tu l'avais entendu pour la première fois. Ah, c'est quoi Psaume 80? C'est quoi Psaume 91? Et je l'avais lu, tu disais amen, 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 amen avant. Maintenant, 20 ans après, je lis ça et il n'y a même pas d'amen. Si tu ne dis pas amen, moi je dirais amen pour moi-même. Verset 3, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Le Seigneur va exaucer tes prières ce matin au nom de Jésus. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Hey, hey, regardez ceci maintenant. Ça, c'est quelque chose. J'ai dit ça, c'est quelque chose. Voici quelque chose. Tu dois te lever et jouir de ceci. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Ça, c'est quelque chose. Il dit, je le rassasierai. Je le rassasierai de longs jours. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ce salut est là, c'est la délivrance est là maintenant, la domination est là maintenant, la santé est là maintenant, la puissance est là maintenant. Je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Dieu va te montrer quelque chose aujourd'hui, il va te montrer quelque chose aujourd'hui. Ouvre ta bouche et prie, dis Seigneur, montre-moi la longévité. Tout ce qui va écouter ma vie, Dieu va annuler ça au nom. Maintenant, le cancer, la tuberculose, problème de foie,
problème d'infirmité, problème de catastrophe, problème de maladie. Dieu va annuler ça maintenant. De longévité, longévité, longévité. Et je lui ferai voir mon salut. Ma délivrance, ma santé et mon salut. Invoque le Seigneur, invoque le Seigneur, invoque le Seigneur. La promesse est là. Si tu peux écouter la voix de l'Éternel, ton Dieu, il faut bloquer toute autre voix. Il faut bloquer toute autre idée. Il faut bloquer toute autre pensée. Et dis, Seigneur, me voici, me voici. Je me confie à ta parole, je te fais confiance. Seigneur, me voici. Je fais confiance à la parole. Je crois à la parole. Je mets ma confiance à la parole. Je mets ma foi à la parole. Et ça, c'est la parole qui te donnera la victoire. Qui te donnera la victoire. Qui te donnera la victoire. La maladie n'aura pas de domination sur ta vie. L'infirmité n'aura pas de domination sur ta vie. Rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi. Quand tu te repens de tes péchés, quand tu te détournes de tout le mal, et quand tu as le salut du Seigneur, et quand tu as l'obéissance à la parole de Dieu, alors il dit la guérison, la santé du Seigneur, et la santé du Seigneur viendra pour toi. Tu peux parler au Seigneur, tu peux parler au Seigneur, tu peux parler au Seigneur, au Seigneur. Je serai obéissant, obéissant à ta parole, obéissant à ta parole, obéissant à ta parole. Et cette obéissance t'accorde, cette obéissance t'accorde, l'obéissance t'accorde la guérison, la santé, la délivrance, la domination. Prends la décision. Le péché apporte la maladie. La justice et la sainteté apportent la santé et la guérison. L'obéissance à la parole de Dieu. Que nos dirigeants, nos pasteurs, le surintendant apportent, prêchent, apportent la bonne vie, la longévité. Obéis à tes parents dans le Seigneur, car cela est juste. Afin que tu sois heureux. Et tu vas prolonger tes jours sur terre. Que Dieu te donne. Crois au Seigneur, crois à la parole. Ça, c'est la parole qui apporte l'accomplissement dans nos vies. Nous ne sommes pas guéris par nos émotions extérieures. Nous sommes guéris par la foi dynamique, bâtie sur la parole, établie sur la parole. Nous ne sommes pas guéris par un jeûne indéfini, par un jeûne non scripturaire. Nous sommes guéris par la foi en la parole. Et la fidélité à la parole. Au nom de Jésus, nous prions. Et les vrais croyants disent, et ceux qui croient, que leur guérison est déjà là, et que ta santé est déjà là, et que la longévité est là. Et ceux qui croient, ces croyants disent, c'est pour toi au nom de Jésus. Je dis, c'est pour toi au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a pourvu pour toi, personne ne va l'arracher de toi. Tu vas jouir à la plénitude au nom puissant de Jésus. Père, 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 au nom de Jésus. Nous te remercions ce matin, toute parole de Dieu. Toute parole que tu nous as donnée, nous croyons, et ce sera pour nous au nom de Jésus. Tu as dit que ce sera une année de réveil, une année de renouvellement, une année de guérison, une année de santé, une année de signes prodiges. Seigneur, nous croyons qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Nous demandons maintenant, Seigneur, nous demandons que chacun de nous ait une maladie donnée, une infirmité, une déformation, une partie du corps, quelle que soit la maladie, quel que soit le nom, je te commande, sors au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, touche le corps,
touche leur vie, de la tête jusqu'aux pieds. Touche-les, guéris-les au nom de Jésus. Que la force naturelle et la santé naturelle viennent dans chaque cœur. Et toutes ces maladies qui militent contre eux, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Seigneur, plus de faiblesse dans nos corps, plus de maladies au milieu de nous, plus de maladies, d'infirmité, accomplis ta parole, accomplis ta parole, accomplis ta parole. Tu as dit que j'ôterai la maladie du milieu de vous, du milieu de ton peuple. Tout garçon, toute fille, tout jeune, tout étudiant, tout père, toute mère, tout garçon, tout frère, toute soeur, ôte la maladie du milieu de nous, ôte toute la maladie, ôte toute maladie du milieu de nous au nom de Jésus. Tous nos dirigeants, tous nos responsables, tous nos pasteurs, tous nos ouvriers, ouvriers à plein temps, tout le monde, Seigneur, je prie. Oh, ils te servent. Tu as dit, nous servirons l'Éternel. Vous servez, tu béniras nos pains, tu béniras nos eaux. Père Seigneur, et je prie que tout ouvrier touche-les maintenant. Touche leur mari, touche leur femme, touche leur famille. Guéris-les au nom de Jésus. Seigneur, certains sont déjà partis, mais Seigneur, nous fermons ces portes de mort prématurée. Dans notre église, nous fermons la porte de mort prématurée. Seigneur, je proclame la vie pour ton peuple, longévité à ton peuple. Nous vivrons longtemps au nom de Jésus. Nos épouses vont vivre longtemps. Nos maris vont vivre longtemps. Nos dirigeants vont vivre longtemps. Nos ouvriers vont vivre longtemps. Nos membres vont vivre longtemps. Seigneur, j'encercle tout le monde, je protège tout le monde, je couvre tout le monde par le sang de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, tous ceux qui causaient la mort prématurée par le passé, que ce soit le cancer, que ce soit problème de foie, problème de rein, je commande maintenant, sortez de l'église au nom de Jésus. Seigneur, ton peuple par le passé qui était fidèle, tu les as gardés vivants pour longtemps. Ton peuple est fidèle ici. Nous gardons la parole comme nous écoutons la parole de Dieu. Si nous ne le savions pas avant, nous avons agi par ignorance. Mais dès que nous connaissons, tu nous connais, nous obéissons la parole par ta grâce. Comme tu nous as donné la fidélité et la foi, nous prions Seigneur, plus de maladies encore, plus d'infirmité encore. Affranchis ton peuple au nom de Jésus. Et nos membres qui ne sont pas arrivés parce qu'ils sont à l'hôpital, ou ils sont dans leur maison, ou peut-être à cause de la faiblesse, ils n'arrivent pas à supporter la rigueur de la retraite parce que je sais qui je suis, je connais comment je suis. Seigneur, je prie, dans les maisons où ils sont, j'envoie ta puissance. Dans les hôpitaux où ils sont maintenant, j'envoie ta puissance maintenant. Et je commande, frères et sœurs, partout où vous êtes, écoutez la voix du Seigneur, levez-vous au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont ici, Seigneur. La force surnaturelle, la puissance surnaturelle, la santé surnaturelle, donne à tout le monde au nom de Jésus. Témoignage dans chaque bouche. Signe prodige pour tout le monde. Miracle pour tout le monde. Guérison et santé pour tout le monde. Longévité pour tout le monde. Confirme-le dans chaque vie, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions.